Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Ark pour l'épisode 5 en compagnie de Miss Dark Angel. Salut à tous. Alors, qui a eu la peur de sa vie. Voilà, au dernier épisode, on a eu les deux petits raptors et on a eu la vilaine surprise d'avoir le carnet qui nous attendait là-bas au bout. Hein, quand je vous disais que le jeu aimait bien nous mettre des saloperies là-bas. Merde. Désolé. D'accord. Pas grave. Ah la vache, il a tout ça en viande lui. Waouh. C'est qui? C'est le Dilo. On va. Je vais t'en piquer un peu. Hein. Enfin non, je te prends tout d'ailleurs parce que tu es à la base, donc t'as pas besoin de. De manger. Voilà. Attends, il manque un. Ils ont la gamelle au moins. Ouais. Toi, j'ai fait ton point déjà. Ah oui, mais j'ai un point aussi, je le prenne. Alors, on va vous expliquer la façon qu'on va faire. On va prendre nos petits gardes du corps tout le temps avec nous. À savoir les raptors. Ouais. Bon, on va peut-être éteindre ça. Ouais, on va mettre le point. Donc, ouais, je vais mettre le point. Ouais, donc, point. Ça me paraît bien, point. Il y a quoi là-dedans? Ce poisson, la viande. Et c'est tout, je crois, pour le moment. Ah, j'ai oublié de l'eau. C'est pas grave. De quoi? Le grand carré de culture. Ah. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer à crafter ici les prémices de la future base. Donc là, les épisodes qui vont suivre, ça va être que de ça. Hein. C'est, je vais pas vous mentir, ça sera essentiellement du. Du déménagement de base. Tout est plein. Bah ouais, là, le problème c'est que tout est plein. Et ben... Alors, non, c'est pas dans ce même temps. Qu'est-ce qu'il faut crafter? Des plafonds, des fondations en pierre. Ouais, que j'ai pas, d'accord. J'ai pas les fondations en pierre. Oh. C'est bon. Ça. T'as qu'un point. Ah. Ça. Je peux pas le prendre. Ah.
C'est quoi ça? Non. Escalier, ouais, escalier, c'est bien, escalier aussi. Ah oui, c'est ça. Come on, shop! Mon shop. Encore mon shop. J'arrive. Mais non. T'es où? Appuie sur la même gâchette, hein, ce. Gauche. Encore. Voilà. Ah oui, là il faut vraiment vraiment en profiter quand vous en avez. Mais bon, voilà, c'est relativement bien pour la chitine ce machin là. Parce que là on est là, donc effectivement on en a fréquemment et encore fréquemment, faut vite le dire. Ah mais il a du bois lui. Mais il faut dire que par la suite, quand on sera là-haut, on en aura un peu moins. On en aura moins, il faudra venir les chercher et tout. Et que ben vous allez voir que ben, si ça fait comme nos parties, l'ordinateur est quelque peu un petit peu saligo et que il va nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a un, ouais, c'est un verre. Des bâtons dans les roues en nous mettant pas mal de saloperies ouais. Sur ces endroits-là. Mais qu'est-ce que t'as fait dodo? Il me porte en plus. Ah oh bah en plus, oh le pauvre. Oh le pauvre Moshop. Bâtard. Il y en a un autre. Ouais mais il faudrait que tu me files un coup de main là. Prends le Moshop. Ah. Dépêche-toi. Ah, il n'a plus d'énergie. Je le vois plus. Je le vois plus. Ah. Oh là. Allez. Alors ça n'a aucune importance si c'est moi qui le tue et que c'est le Moshop qui le bouffe. Oui, ça revient au même. Ou si le Moshop le tue et le bouffe. Le tue et le bouffe. Hein. C'est pas très important. Ah putain. Tu fais quoi? Bah on va aller poser déjà la porte. Ah bah attends, faut que je la prenne. J'arrive. On se concentre ensuite sur les ceilings, donc je prends mon petit garde du corps, on va dire. Ouais. Oh, tiens. Ouais, je prends le MG. Prêt au combat, oui, chef. Que je pense à faire les tuyaux et commencer à les mettre. Ouais. Sauf que j'ai deux espèces de machins qui me cassent les couilles là-bas. Deux espèces de quoi? Bah l'iguanodon il attaque pas, mais le... Non. Non l'iguanodon non il attaque pas lui. Le Calime et Kouimike là. Ah ouais lui ouais. Ouais lui. Il attaque lui. On va quand même sortir l'arme au cas où.
réfléchis. Ça a l'air. Oui. Ah non. T'as un piranha aux fesses, dégage. Un point, toi. On va te mettre un peu d'amphi quand même. Parce que... C'est où déjà le... Qu'est-ce que tu fais? Ah non. Tu fais quoi? Je voulais mettre plus proche le suivi. Ouais, mais c'est avant de partir qu'il faut faire ça, c'est pas quand on est. Il est où l'autre? Bah, je sais pas, je le trouve pas. Enfin, je le vois pas, du moins. Je crois. Ah, Thérésie, il est redescendu. C'est agressif, le Thérésie, je sais plus. Normalement, non. Troudon, ça, non? Troudon. Truc de merde. What? Aide-moi. Ouais, merde. Désolé. T'es où? Bah, je dors. Il est où? Ah bah. Là. T'as toujours des baies blanches, toi? Normalement, oui. Comment je fais pour te les faire manger? Comme ça? Ça te réveille pas, là? Si, si. Désolé. Si vous avez pris masse dégâts... Oh non, ça va. Oh, ça va. Il tient, ça va? Mmh. Oh, ça va. Ah, les troudons, c'est horrible, ça. Ouais, c'est chiant, parce que ça te fait dormir, mais... Après... Je sais plus où c'était. Par ici, je crois. Faut que je mette la porte. Attends. Attends, parce qu'il y a le truc de guêpe, là. Bah, oui. Attends. Mettre cela. Ouais, non, plus haut, je sais pas. Là. Ici? Ouais. Attends. Hop. Oula. Là, par contre, faut que tu me diriges parce que moi, je vois rien du tout. Plus à droite, plus à gauche, par rapport à moi, je parle. Attends, t'es dans quel sens? T'es par là. Va un peu à droite. Encore. Vas-y, encore. C'est bon. Voilà. Bon, à savoir qu'on peut faire ça, c'est uniquement parce que on a enlevé le truc de collision. Oui, sinon on pourrait pas. Voilà. Tout de suite. C'est la seule raison. Hein. Le truc, il aurait fait rouge tout de suite, quoi. Maintenant, c'est le moment qu'on adore, qu'on se fout de la gueule du genre et du monde. Attends, je vais faire pas bouger parce que... Voilà, ça me dérange pas. Oh, mais il va me gêner, si on... Voilà, et c'est là qu'il faut que tu me m'aides. J'arrive, je suis là. Attends.
Oui. Bah de toute façon, j'en ai pas d'autres pour moi. Ah, t'en as deux ? Oui. Qu'est-ce qui te manque ? Du branchage. Ah. Oui. Voyez, normalement, on va aller jusqu'ici, jusqu'au bord. Après. C'est bon là. Attends. T'es où ? Ouais. Et après, arrivé au bord, on va mettre, bah, je pense, du balustrade ou je sais pas. Ouais. Je vois rien. C'est horrible, quoi. Je vois rien du tout. Encore un, je pense. Non. Ouais. Un. Ouais. Et voilà. On mettra peut-être des murs en pierre. Je sais pas. Bah, on tourne à la base. Ouais. Il est où là. Ah, forcément, faut que tu passes entre les deux machins, toi. Ben, forcément. Là où ça passe pas. Ouais, voilà, là où ça passe pas, quoi. Bah, sinon, tu passes par la porte. Hein. Je peux ouvrir la porte pour un. Mais il est couillon. Et ouvre la porte. Oh. Ça va plus vite. Merde, là, les dinus peuvent passer, donc même si tu la laisses ouverte, c'est pas bien grave. Hein. Une fois qu'on aura fait les murs, effectivement, ça sera autre chose. Vous voyez ? Ouais. Peur. J'étais par là, par là-bas. Je vais à gauche, hein. Je vais à droite. Moi. Tu vas à droite ? Ah ouais, je vais à droite directement. Puis... Je sais pas si une porte, t'as trop bien. Ouais, tu veux qu'il te porte ? Mais non, mais c'est bon. Allez, zou.
Je suis congelé. Voilà. Bon bah comme vous avez pu voir, on n'a pas fait grand chose vu à peu près comment on va faire pendant ces quelques épisodes qui vont venir. Ça va être vraiment du Ouais, pendant quelques épisodes, ça va être ça. On va crafter les choses. Attends, je vais me mettre dans la base. On va crafter les différents objets. Enfin, les plateformes, les machins et tout ça. On va aller là-bas, on va s'installer. On va en priorité essayer de faire le cadre. Enfin, le... Comment dire ? Toi, t'as une autre porte bémote à faire au moins. Deux ? Attends, non. Ouais, deux. Tu veux en mettre deux ? Oui, okay. Deux autres. Il y en a une qui amène en bas, une qui amènera par la gauche et une qui amène par derrière. D'accord. Ah oui, en bas vers les marais, ouais, là, je vois. Ouais, voilà. Et la troisième ? Ben, sur le plateau, mais en haut. Ah, ok. Voilà, je m'en réchauffe. Voilà, donc en gros c'est l'idée. On va faire, alors, bien sûr au départ ça sera une au départ ça risquerait d'être un peu long parce que bon tant qu'on crate tout. J'y suis fait, je suis enfermé à l'extérieur. Voilà, et tant qu'on crafte et tout, après qu'on aille poser et tout c'était le mauvais bouton. Ouais. Ça arrive. Voilà, on est parti pour faire le dodo de la nuit. Alors après, pour les enregistrements, je ne sais pas trop si on va enregistrer tout le côté qu'on fasse la base. Enfin, nous, on va les enregistrer, mais je ne sais pas si... peut-être que je prendrai plusieurs enregistrements pour en faire qu'un, pour raccourcir, oui, parce que pendant un long moment, on va pas aller tamer d'animaux. Pendant un long moment, on va rien faire de spécial. On va vraiment crafter une base correcte, fonctionnelle. Ouais. Pour que... D'ailleurs, je vais peut-être mettre en pause. Pour que, justement, ça... Bah, nous, on part d'un principe d'une chose. C'est que je comprends très bien que pour YouTube, il faut qu'il y ait de l'action et compagnie. Mais nous, on préfère avoir... la base. Une fois qu'elle est faite, on peut... tranquillement aller tamer aller dans le bout de neige par exemple, aller tamer, voilà, je sais pas, on peut faire ce qu'on a à faire sans se soucier de ah il faut rentrer parce que il faut finir la base, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est sûr qu'on peut faire les deux en même temps, mais nous il y a notre cellule de pour tamer les animaux. Ouais. On a diverses choses qui font que on a besoin que la base elle soit faite, qui nous facilite en fait la vie par la suite. Mais pour cela, il faut le faire. Donc c'est pour ça qu'on a une préférence à faire. D'abord, on se met à faire, on craft, on fait ce qu'il faut. De plus, ça nous fait monter de niveau, donc ça nous fait qu'on est plus à même de pouvoir combattre contre des dinos un petit peu plus chiants. À faire, surtout que vous allez voir qu'on va aller au biome neige, on va faire une petite base au biome neige, enfin vraiment un truc vite fait pour pouvoir apparaître là-bas, pour pouvoir pour que ce soit plus simple pour nous de se téléper là-bas. Oui. Mais vous allez voir que fréquemment là-bas, on va aller avoir des T-Rex, des carnots alpha, des T-Rex alpha, des raptors alpha, on va avoir beaucoup d'alpha qui vont popper, qui vont être dans cette zone-là. Donc c'est juste avant le biome neige. Ceux qui connaissent ce jeu, ils voyaient à peu près d'où c'est que je parlais. Et de ce côté-là,
Ça, c'est pareil, quoi. Je veux dire, on va prendre 2-3 vidéos, je pense, pour faire la petite base. Peut-être même pas 2-3, parce que bon, quand on s'y met à deux, que on, ouais, ça va vite. On se correspond bien, on arrive à faire assez rapidement. Mais ça sert à rien de très extraordinaire. Une forge, un établi, deux lits, une armoire de conservation, puis une armoire de stockage. Voilà. C'est vraiment le minimum pour pouvoir mettre des armes si il faut quoi, si on meurt et qu'il faut repoper ou des choses comme ça. Mais après, il n'y a pas de. Voilà, ce ne sera pas un truc extravagant. Là, la base là, qu'on veut faire là, sur le plateau qui est en haut, là où on a commencé à poser la porte Behemoth, c'est là où vraiment on va faire la base base. Bah, la base, oui, la base principale, là, c'était vraiment la base temporaire, histoire de monter de niveau, d'avoir ce qu'il faut pour aller à. Pour pouvoir faire l'autre base. Et petit à petit, vous voyez bien, on commence pas à faire l'électricité, on commence pas à faire tout ça, on n'a même pas fait l'agriculture. Ouais. Et tout ça, ça va être fait au fur et à mesure, surtout que les nouveaux tuyaux, enfin, pour ma part, hein, les nouveaux tuyaux, c'est magique. Ouais. Ouais. Moi, je les kiffe, mais de ouf. En général, tout ce qui est tuyauterie, c'est ton domaine. Hein. Ouais, moi, je m'occupe de l'électricité, de la tuyauterie. Toi, ah. Tu t'occupes plus des remparts, des murs, ouais. De la construction de la base à peu près. Parce qu'après, on varie un petit peu. Je vais pas vous dire qu'on va faire un machin merveilleux, attention. Hein. Non. On n'est pas des architectes non plus, mais... voilà, on va avoir la petite maison à vivre, le côté industriel, voilà, on peut dire. Voilà, tout on va crafter et compagnie. Voilà, on essaye de faire des choses, on essaye de prononcer un petit peu plus de place sur le parce que bon, c'est vrai que généralement, en vrai, hein, ceux qui auront vu nos premières parties sur Ark, on faisait une tour de 3-4 étages, on avait tout qui tenait dans un machin. À la rigueur, on avait un autre espace. Non, même pas. Non. Même pas. Les cultures, ils étaient au sol, tout en haut. Tout en haut, mais là, c'est vrai que une fois les grosses machines construites, c'est vrai que ça prend énormément de place. Quoi. Ouais, la forge industrielle prend un petit peu de place. Bon, après, il y a le labo de chimie, il y a la cuisinière, il y a. Je sais plus ce qu'il y a d'autre aussi. Ben nous, c'est ce qu'on prend en général, parce que le broyeur industriel, j'en vois pas l'utilité du tout. Mais bon. Ben, si, il y en a qui disent il y a l'utilité pour EP, les dinos, ou toi, tu peux faire une grosse quantité, puis hop, tu fais, et puis le fait que ça craft, ça donne des points. Mais bon, on monte tellement vite dans. Oui. Voilà. On va faire une partie serre avec tout ce qui est agriculture et puis. Voilà. On va vraiment faire une petite zone, chaque zone, mais on va pas faire du superflu. Non. On va pas faire des jardins de ouf pour faire la serre. Hein. Ça va être un truc fonctionnel et nécessaire. C'est basique quoi. Voilà, c'est du basique quand même. Ouais, voilà, ça, comme tu dis, ça reste basique. Mais voilà, c'est autre que ce qu'on faisait avant, la tour sur 3-4 étages, donc le premier étage avec le lit, les machins, le deuxième, enfin non, encore le premier étage, je mettais jamais le lit, non, toujours au deuxième, le deuxième étage avec la forge, l'établi, le troisième étage avec les plantations, et puis le dernier étage c'était pour poser les... Et en fait, à la longue du. Enfin, à force de jouer au jeu, on se rend compte que c'est casse-couille de faire comme ça parce que il faut toujours monter, descendre. Ouais. Si on fait que ça, en fait, dans le jeu, dès que ta base elle est finie, on fait que ça de. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit commentaire si vous voulez que votre pseudo soit. Enfin, prennent la place d'un nom de dino. Miss Dark, un petit mot. J'espère que la vidéo vous a plu aussi. Et puis, la prochaine. C'est ça. Allez, ciao, bye bye.